Salut saillants! Ouais, voici Captain Flair, de l'essai plus connu sous le nom de Champion MC. On se retrouve pour une nouvelle aventure sur Airling Commander. Eh ouais, c'est un jeu d'avion. Tout le contraire de mon élément, qui est la mer. Moi, Captain Flair de l'essai. Mais là, moi je suis déjà rendu pilote. J'ai été en formation, j'ai fait le junior, là je suis pilote. Il y a pilote senior, senior, capitaine, capitaine senior, commandant, commandant senior et commandant de ligne. Est-ce les vrais grades? Je sais pas par contre. Une chose qui est sûre, nous allons faire l'examen. Ben, le jeu, comment que c'est, en passant, vous avez pas de, faut pas jouer indéfiniment pour accumuler des points, tout ça. Faut toujours que tu ailles chercher des licences. Mais tu peux en faire plus grâce à... Si vous voyez, je peux pas rien faire. Aller à d'autres... Entendre d'offres d'autres lignes. Puis même des défis quotidiens. Bon, allons faire ça. Ici, c'est utiliser le pilote automatique. Ok, c'est que je ne sais pas c'est quoi. Je peux vous dire, c'est ma progression actuelle. Je peux vous le dire. Bon, êtes-vous prêt aujourd'hui? Vous allez apprendre à utiliser le pilote automatique. Ok. Qu'est-ce que je fais? Procéder au décollage. Et vous pouvez voir en bas le VR, ça c'est à partir de quelle vitesse on peut réussir à décoller. En théorie, du moins. Qu'est-ce que tu vous poses? Je peux recommencer. Les atterrissages à un moment donné, ça a été pas évident. Le truc que je me suis donné, c'est simple. Voilà. Tu vas être sûr de décoller. Voilà, tu fermes ton train tes roues. Il faut atteindre 3300 mètres. Allez, maintenant au panneau, d'accord. Ah, on peut voir pareil là. Ah. 5000, ok. Hey, c'est pas évident. Parfait. Désactivez le pilote automatique de direction. Dirigez-vous vers le prochain point de route. Je vais mettre à combien? Ah, j'ai plus de contrôle maintenant. Activez maintenant le pilote automatique de vitesse. Ok, 3000. Mettre à jour la directive. Activez maintenant le pilote automatique de vitesse verticale réglé à 3000 pieds par minute pour atteindre. Ah, altitude 3. Ah, c'est pas évident! Je vais écraser. Ah, je... Ah, c'est pas évident. J'ai rien compris. Vraiment, j'ai rien compris. C'est pas évident! Tu sais que là, je suis rendu dans un niveau que c'est pas
pas évident. Je suis capable de coller, je suis capable d'atterrir, ça c'est pas un problème, mais ça c'est pas évident. Je vais vous l'accorder. Plus que vous montez, plus c'est difficile. Mais c'est bon de savoir que... L'altitude, par contre... Ah. C'est mille, parfait. Prochain point de route. Quatre-vingt-sept. Je pense que c'est ça. Activez maintenant les pilotes automatiques de vitesse verticale vers le à 3000 par minute pour atteindre 7000. 3000. C'était un peu trop haut. Correct. Bon, nous avons atteint l'altitude indiquée. Désactiver les pilotes automatiques. Ah! Régler les pilotes automatiques à l'altitude actuelle. Ah, je me suis fait un pied! À 289. Parfait, n'oubliez pas, vous pouvez utiliser le pilote automatique pour régler plus facilement les changements de direction et d'altitude. Je trouve pas ça évident. Oh, 22 000. J'avoue, je ne trouve pas ça évident. Et... Loin d'être facile. Est-ce qu'on va l'avoir vraiment... Ça va être vraiment utile, je sais pas. On va faire quand même... Un vol? Attends, ok, j'ai pas assez encore. J'ai assez pour ça. Atterrissage complet et simple. On peut faire des décollages, mais là on va faire un atterrissage simple pour commencer, parce que c'est plus rapide. Tout simplement. Bon, je peux bien faire ça finalement. Ça c'est un peu de décalage là. Faut que je baisse la vitesse à 200. Parfait. Je vais tout de suite préparer ça. C'est un peu haut, mais c'est pas grave que ça. Ça je suis prêt pour l'atterrissage. Puis je suis avec un avion, un petit avion en réaction. Celle-là, elle est simple. Qu'est-ce qu'il faut, c'est que t'as
T'as juste à atterrir, pis c'est tout. T'as rien d'autre à faire. C'est pas évident quand même d'atterrir, je vais vous dire là, honnêtement. Pis ça se fait en douceur! Ok, 400. Parfait. Faut que je baisse ma vitesse. On lève le nez. Atterrissage, difficulté, comment tu veux que j'atterris? T'es pas si pire que ça. Mais ça vaut pour beaucoup de points, c'est qu'il perd dans tout ça. Bon, c'est pas super, si je fais pire que ça. On voit, ça vaut pour beaucoup de points quand même. C'est à peu près la moitié la délicatesse. Vous vous montrer c'est quoi que ça a l'air. Là, ça vaut un peu moins, là. Mais quand même, ça vaut pas mal. Vais baisser ma vitesse. Que je descends beaucoup plus. Y a pas de turbulence. 200 mètres. Là, j'ai de la misère avec mon... Mais probablement, faut que je lève peut-être un peu plus le nez. Probablement, c'est ça. Puis, l'atterrissage complet, par contre, qu'est-ce qui est requis, c'est vraiment... faire aller jusque... aux choses de débarquement. Puis le décollage simple, c'est juste un décollage pis c'est tout. Tu voles un peu pis c'est tout. Puis un décollage complet, ça veut que tu pars, il t'enlève de l'air d'embarquement, tout ça. Puis un vol complet, c'est le tout. Tu peux pas aller au-dessus de 40 km/h. En plus. C'est un jeu que qui était que j'ai eu ça comme que la même façon que j'ai trouvé, je me trompe pas, Dine of Gods ou Battle of Zombies, un ou l'autre, je m'en souviens plus. Je pense que c'est Dine of Gods que j'ai trouvé comme ça. Jouer en recommandation quand on rouvre Play Store, je pense que c'est là que j'ai vu. Bon, de toute façon, c'est comme ça que j'ai trouvé le jeu. Je sais pas pourquoi pas essayer. Je vais baisser la vitesse. Le temps pas d'échouer, puis il y a un temps en plus. Si on est trop. Le temps, c'est exemple, si tu le rates, tu peux reprendre, mais si ça fait plus de 5 minutes, exemple, plus de 5 minutes, puis t'es sous, désolé, tu perds toutes tes affaires. En gros, c'est, t'essaies de moins échouer possible. De pas t'écraser. Mais en soi, faire les vols, c'est pas si difficile que ça, c'est surtout ce qu'ils nous demandent de faire, qui est pas évident. Juste le pilote automatique, c'est pas... Je le trouve pas évident.
C'est sûr que j'ai perdu des points parce que ça, juste ça, là, ça vaut pas beaucoup de points. J'ai perdu sûrement des points un peu parce que j'ai roulé ça sur le gazon. C'est un jeu quand même assez relax, en général. Si tu veux perdre ton temps, vas-y fort. Autre chose aussi à propos de ce jeu. Les licences, le désavantage par contre, faut toi tu payes l'argent rare, on va appeler ça de même, pour accélérer le tout, comme tout jeu, comme pas mal de jeux, tout jeu mobile. Mais t'as aussi. Mais par contre, tu peux passer avec les annonces publicitaires. C'est bon. 5 minutes à chaque fois, là. Même si ça dure 1 heure, l'attente de la licence, au moins tu peux passer en annonce publicitaire. Pas pendant 1 heure, mais tu passes 5 minutes tout le temps. Ça pour ça, au moins c'est le fun. Ça va plus vite. Un petit défaut par contre, c'est que t'es obligé de faire une licence si tu veux faire. Soit une licence ou acheter un avion si tu veux faire des vols. Sinon, tu as les vols d'autres compagnies, comme qu'ils disent, que tu peux faire, mais ça, c'est juste pour de l'argent. Tu peux pas, t'as pas les autres affaires. Les points. Les points, ça. Moi, en ce moment, j'ai des points. Mais j'en ai pas assez pour. Faire le toute l'affaire là parce que ça prend 300 points. J'en ai même pas assez. Puis je sais même pas si je vais réussir à le faire un jour. Ça c'est un peu le défaut, mais en même temps c'est un défi. J'ai raté pas mal les. Le problème c'est que moi j'ai raté les premiers vols complets. Totalement. Je peux vous le dire, là. Le décollage, ça va, mais l'atterrissage, fuck, c'est trop haut, puis j'allais trop vite, je le quitte. En gros, j'ai raté. On sent plus proche de cet avion-là, me semble. Ah, j'arrive bientôt. Il peut tourner assez. Il était assez loin pour tourner, mais c'est pas grave. On peut faire ça de même. Hey. Voilà. Puis quand tu fais un vol complet, tu pars les moteurs. Mais inquiétez-vous pas, tout est expliqué tout ça, tout le long du jeu. Ça, c'est les points. J'en ai tellement pas assez. Comment tu veux que je fasse un vol en particulier? Est-ce que j'ai pas assez de points de vol? Ok, points de vol. Le contrat, vous devez aller voir les vols propriétaires par les autres lignes. J'ai pas le choix du tout. Y a pas un vol. C'est quand même pas mal de fois. Ah oh oui, vol propriétaire. Ok, atterrissage simple. Et décollage simple. Je vais faire les deux. Bon, je vais commencer par l'atterrissage. J'ai pas le choix de faire ça parce que sinon j'aurai jamais le vol. Au moins on peut faire ça, ce qui est bien. Sinon on n'y arrivera pas.
c'est 97, je baisse le moteur. Là, c'est sûr que c'est pas mal d'atterrissage que je vous montre, mais on va finir par un décollage. Tu peux avoir des problèmes de moteur aussi. oui. Mais ça, c'est toute une autre gestion. Ok, je fais le 140. Parfait. Ça, faut arrière avant. Pour voir atterrissage en douceur. Si vous le pouvez. Ça va même plus vite un peu. Voilà, je peux même faire ceci pour un bonus de 30%. 30%. Que je vais pas vous faire subir l'annonce. Là, on y va avec le décollage. Ah oui, décollage. Qu'est-ce qu'il faut faire? Surtout, peu importe, ça soit. Décollage simple, des fois, ils permettent de pas le faire, mais généralement, décollage simple ou complet. Il demande d'arrêter ici. Décollage autorisé. Il faut attendre ça, sinon on peut se faire arrêter. Bon, ça fait. Sûrement tu perds des points de vol, probablement. Celle-là, ça va jusqu'à 129 km/h. Plus c'est vite, mieux que c'est. Bon. Il demande juste 100 mètres. Chut. Pendant 6 nautiques. Mon dieu. C'est beau. C'est beau, c'est 100 mètres. On s'entend, mais c'est ce qu'ils disent. Puis vous suivez qu'est-ce qui rose pas mal, même dans le radar en bas. Vous devrez, c'est pas évident de le suivre. Un nautique, de toute façon, après 1,5 nautique, ils vont l'enlever. 600 encore. Mais là, beaucoup moins nautique. Là. Voilà. J'ai tous mes points. Plus 30% de bonus. Ah pour ça, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo de essai de jeu. Faites un petit bout de pour faire un essai de jeu. C'était pas l'essai de jeu prévu au départ, mais au moins je fais un essai de jeu. Ah pour ça, n'hésitez pas à rejoindre mon équipage sur le navire de l'Est. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter ou encore aller visiter mon site internet dans le lien sur la bannière de ma chaîne YouTube. Vous pouvez toujours aussi aller sur mon serveur Discord dont tout le monde est bienvenu. Ah, pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle aventure sur la chaîne de Champion MCL. Ah, pour ça, je vous dis merci à tous.